La visibilité, d'accord? La visibilité, c'est extrêmement important. Que ce soit une visibilité payante ou gratuite, c'est extrêmement important. Donc, comme je dis toujours, la visibilité, elle va vous rapporter des prospects potentiels. Ça veut dire que ces prospects-là, ils vont vous voir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signer chez vous. Ça veut seulement dire qu'ils vont vous voir. C'est seulement la première étape. D'accord? C'est la première étape d'un business à succès. C'est déjà avoir des prospects qui vous contactent. Donc, vous avez plusieurs types de visibilité. Vous avez la visibilité web. Google, Facebook, Instagram, YouTube. Vous avez les médias traditionnels comme des journaux type BFM. Ça peut être Le Monde, ça peut être Le Figaro, ça peut être Les Échos, peu importe. Ou vous pouvez acheter des articles sponsorisés pour être vu. Ensuite, vous pouvez faire des partenariats avec des gens qui, eux, ils ont déjà une communauté ou ils ont déjà des clients et ils vont servir de gage. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se mouiller pour vous. Ils vont se mouiller dans le sens où ils vont dire, je suis garant de cette personne. Donc, quand quelqu'un vous fait confiance et vous confie des clients, je vous conseille de vraiment bien les traiter. Parce que si vous maltraitez ces clients, si vous les traitez pas à leur juste valeur, vous vous grillez vous-même et en même temps, vous grillez la personne qui vous a recommandé. Et là, le rapport de confiance, il est mort. Vous le tuez. Et ce qui se passe, c'est que cette personne ne vous enverra plus de clients. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours pas à pas. Dans le business, c'est toujours pierre par pierre. Vous ne croyez pas que vous allez vous retrouver avec une avalanche de clients comme ça d'un coup. Non, c'est des phases de test. On va vous donner un petit boulot, ensuite un boulot moyen, ensuite un gros boulot. Et si vous arrivez à répondre présent sur toute la phase, là, on va vous faire confiance et là, vous allez commencer à vous faire une place et à être quelqu'un, entre guillemets. Ça peut également être des cartes de visite, flyers sur voiture. Ce genre de prospection, c'est vraiment, en termes de visibilité, c'est vraiment ce qui rapporte le moins parce que ça finit tout à la poubelle. Des fois, sur un malentendu, quelqu'un, il peut être pressé, il n'a pas le temps de chercher les avis, il n'a pas le temps de chercher votre notoriété. Là, il va vous appeler, mais c'est assez rare. Moi, je vous déconseille ce genre de choses. Souvent, c'est beaucoup d'argent pour pas beaucoup de résultats. Ça finit très souvent à la poubelle. En plus, il faut les distribuer, etc., etc. Moi, je préfère quand même la visibilité web où on peut targeter des gens vraiment ciblés.